Où est elle? Où est ta maman? Elle est sortie. Elle est sortie par où? Elle est ici, tu n'attends pas bien. Moi, je ne suis pas venu pour m'amuser avec vous. Je l'ai envoyé convocation. Moi, je ne peux pas marier. Je ne peux pas marier femme. Mon femme est là, et notre mari, il doit avec lui. Et puis, toi, tu cries. Tu cries pour quoi? Tu as envoyé convocation. Ta femme. C'est pas ton problème. Il n'a qu'à venir prendre. Il va avoir de justice. Trop, c'est trop. Ce fille n'a pas fait ça, il va se faire maintenant. C'est toi qui m'étonnes. C'est toi qui m'étonnes. Pour toi qui es dans la maison ici, moi je dis que tu es mon fils. Tu es avec ton maman ici. Un autre homme, il adore avec elle. Toi qui es là, moi j'ai un souffle. Un autre homme dort avec ma tante. Oui, il dort avec lui. Ah mon nom, faut changer. Toi tu es là, moi j'ai un souffle. Mais là, si elle est ma tante là, si toi tu es mon nom, c'est alors c'est ma tante, c'est comme ça. Ah donc s'il y a quelque chose, tu dis rien dedans. C'est ça. Tu as raison. Oui, Labran, voilà, oui. Dieu merci, ça tombe bien. Oui. Il y a quoi? Non, je ne suis pas venu pour les bougres. Bon, il faut laisser, c'est bon. Je ne suis pas venu pour tes amusements. Ça veut dire quoi? Oui, aujourd'hui là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et parce que tu penses que non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai envoyé une convocation pour mon femme. Faut pas que tu fais ma quête. Tu as envoyé une convocation pour ta femme? Faut mais pas. Regarde un monsieur comme ça. Tu as une convocation pour ta femme? Tu ne peux pas régler ton problème de couple. Cette convocation, tu as envoyé à ta femme. Quel couple? Ton couple, tu peux pas, régler ça? Couple? Dis-moi, oui. C'est juste Jésus ballon. Ah non, je dis ton couple. C'est ça, je dis Jésus pas ballon. Mais je veux quel couple? Non, je veux dire ton problème de femme. Oui, problème de femme. Et puis il a fait quoi? Faut pas être déçu. Non, je suis déçu de Mouti. Tu sais, moi, la petite, j'ai une petite qui est de l'autre côté, la Mesque. Elle m'a dit qu'elle est fondue de moi. Il vient lui dire, mais dis non, que lui n'aime pas le film Mesque, c'est lui, le film comme Doxy là. C'est ça lui, il aime. Qui t'a dit ça? C'est Mouti. Ah, il a rien. Toi-même là, souvent, même, je ne sais pas si toi aussi. Bon, si je parle, tu vas me dire non, que je t'ai parlé mal. Je ne sais pas si tu réfléchis. Tu m'as parlé mal. Je ne t'ai pas parlé mal. Je dis, je ne sais pas si tu réfléchis. Quand toi tu regardes Mouti là, toi tu te compares à Mouti pour chercher femme, quelqu'un qui ne vaut pas un coup de poing. Et peut-être tu le prends pour comme ça et puis tu discutes avec lui. Mouti même il est Mouti. Mouti, j'ai croisé Mouti la fin de l'année. Et voilà, je lui ai dit, si tu joues à moi là, moi je te tape. C'est comment? Hey, il a rien, mon petit, c'est comment? Il y a quoi, il vient, il attend mon nom, Mouchi, c'est qui? C'est quel Mouchi? Non, c'est... Ah, bon, il te salue? Tu salues qui? Toi et moi, on se connaît où? Tu salues, Eran, et puis il t'explique, toi, là, faut te méfier de moi. Hein. Si tu te méfies pas de moi, là, ce que tu cherches, là, tu vas trouver. Tu es tellement impoli, toi, tu te prends pour qui même? Les gens ont pitié de toi, mais toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Hey, mon petit, il t'a parlé de ce gars-là. Tu le vois comme ça, il ne sait pas, il est quitté sur quelle planète. Il ne sait pas si c'est à cause de moi qu'il est venu dans ce monde-là. Il me provoque partout où il passe. Il se promène, il se balade de porte à porte pour gâter moi mon nom. Ah, mais non, moi, il aime soulever les femmes qui me dépassent. Il aime soulever les... Tu as quel problème avec moi? Il faut te méfier, hein? Tu me regardes, je suis pas ton enfant. Ça, là, il n'a pas tort. Tu n'a pas tort, hein? Je vais te botter. Je vais te saccager. Toi. Toi, tu peux moi me poser. Je vais marcher sur toi. Yéni, même si moi je suis maudit, toi là, si toi tu me frappes là, c'est que moi je ne suis pas Blue Jassa. Même l'homme qui n'est pas toi, moi je frappe. Toi, tu vas venir t'en réparer, c'est le larron qui. Ben, tu l'as dans le jeton quoi. Moi, je te chicoté, tu vas t'acheter. Mon petit, faut dire à ce monsieur là, tu. Je ne veux pas avoir affaire de. Il y a sacrifice funéraire. Moi, je vais te tuer. Il y a des gens là, je ne t'ai même pas dit. Et la rien. Non, tu n'es pas ici en bas, il parle à élu. Il pense que nous, on est des camarades. Tu as fait quoi? Tu fais quoi, haut? Tu as fait quoi, haut? Quoi? Ablo. Ablo, je suis en haut. Faut me parler maintenant. Pour te mettre à terre là, c'est en bas. Moi, c'est en quelques secondes. Mais dis-toi. Je vais te faire quelque chose, hein? On m'appelle Lyon, ou bien on t'a pas dit mon nom. Tu peux pas se mettre, je vais te calmez-vous, pardonnez. Tu n'en es pas tais-toi, Simon. Tu te fais coucher, tu ça va quoi? Tu joues à moi, je le fais coucher ici. Pardon. Tu ne crois pas, faut jouer à moi. Bon, laisse ça. Oui. Moi, je suis venu te voir. Oui. Je ne suis pas d'accord avec toi. Comment ça? Je ne sais pas si c'est toi ou bien ce sont tes enfants. Quoi? Une fois au moins, il ne faudrait pas qu'on tourmente la mémoire de la réserve. La blanche, il y a quoi? T'as quel problème? Mon problème, c'est que je ne vois pas mes fascicules. Tu vois pas quoi? Ah, je ne vois pas mes fascicules. Tu vois pas ton testicule? Moi, il n'a qu'à faire quoi? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, je ne vois pas mes fascicules. Oh. Tu as compris, Kéré? Tu as compris? Non, mais tu n'as pas attends. Compris. Toi, tu es quoi, maman? La blanche, non.
Non. Tu me fais rire. Non. Ah, tu vas rire. C'est sérieux. Tu me fais rire. Oui, c'est sérieux. Mais attends, Tu me fais rire. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Un garçon, tous les jours, tu cries, tout le monde parle que tu es intelligent, tu as tout, tu connais le papier. Tu viens, toi, gaillard, comme ça, tu viens t'arrêter au face de moi. Tu dis, tu ne vois pas ton testicule. J'ai pas dit ça. Maintenant que tu ne vois pas ton testicule, là, moi, là, c'est une chose qu'on ne partage pas. Ça qui est sur tes skills. Non, je ne vois pas mes fascicules. Quand tu parles d'intellectuel, c'est ça que j'ai compris. Un intellectuel a des fascicules. Mes fascicules, j'ai. Tout le monde est à tes skills. Tout le monde est à ça. J'ai déposé mes fascicules à la maison et je viens. Je ne vois plus mes fascicules. Tu as déposé ça où? Où ça? À la maison. Ton testicule? Dans quelle maison? Non, je n'ai pas dit ça. Mais attends. Tu as coupé ou bien? Écoute-moi. Oui. Toi, tu comprends comment? Tu comprends? Comment est-ce que tu comprends? Ce que tu as dit là, ça, tu comprends? Est-ce que tu sais que les oreilles aussi sont comme des petites culottes? Souvent, il faut les laver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes oreilles là, tu n'entends pas bien. Qui n'entend pas? Est-ce que toi, tu entends ce que tu as pas? Fascicule. Ce que j'ai dit, c'est pas le coquelis là. C'est pas ça? Non. C'est le coquelis? Non. Bon, voilà, tu ne comprends pas. J'ai dit fascicule. Tu ne comprends pas français? Comment tu ne comprends pas français? Tu ne comprends pas? Non, un fascicule. Tout le monde est fascicule ici. Est-ce que tu comprends? Ah, tu ne peux pas avoir des fascicules. Hein? Les femmes ne sont pas ça. Mais les garçons, tout le monde est ça. Les fascicules ici. Ce que tu crois, ce n'est pas ça. Les fascicules, ce sont des documents. Ça veut dire quoi? C'est des documents. Est-ce que tu es normal? Attends, je pense que la personne. Parce que tout est papier, quoi. Je pense que la personne qui est anormale, c'est toi. Je t'ai parlé. Abla Domi. Il n'a rien encore fait. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ça là. Abro, je t'ai dit, Abro, laisse-le. Ah! Va voir. Demain, faut que tu aies parlé ici encore. On t'a pris. Les enfants sont venus comme ça. C'est pas la peine. T'es blanc? Oui. Festicule aujourd'hui? Oui. C'est papier? Oui. C'est que tu as prêt pour pisser là, c'est papier maintenant. Bon, tu prends tout pour écrire. Toi, oui. Tout est devenu big pour viens toi. Maman. Hein? Viens, maman. Moi, je crois qu'avec toi, oui. Il est temps que je marque une aposiopèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je marque un silence. Ça veut dire quoi? Oui, je marque un silence parce que je ne peux pas te comprendre. Oui. Silence, c'est qui? Je ne veux plus parler. Je marque un silence. Ah, tu vas t'attendre, toi. Voilà, mais je vais me taire. Faut t'attendre, toi. C'est mieux. Je me c'est mieux. Parce non. Que. Quelqu'un qui est comme toi, qui vient me voir un homme comme moi, qui a des problèmes sud-aléanis ici, tu viens me dire que ton testicule s'est perdu. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, le testicule qui est perdu là, je te dis comment tu as fait. Tu dis tu as pris, tu es déposé dans la maison. Alors que chacun a pour lui se coller sur lui. Pour toi là, tu as coupé, ouais. Comment tu as fait? Mais là, ce que tu dis, hein? Je dis fascicule, tu prends ça comme testicule. Tu as des anus, tu dis que tu as des anus. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hein? Ce qui est bien, tu fais en mal. Ce qui est en mal, tu peux. C'est pas possible. Là, c'est mou, c'est moi. Hein. Grand week-end comme ça, là. Tous mes numéros, même, ne passent même pas. Je ne vais pas avoir petit, quoi. Non, c'est pas après. Dieu, quelle beauté, ma chérie, s'il vous plaît. Quelle beauté. Ouais. Comment vous appelez? C'est Myriam. Myriam. Oui. Wow, quelle beauté. Vous êtes là longtemps? Oui, je suis là longtemps. Ah, franchement, vous me plaisez, hein? Vous êtes occupé pour ce week-end là? Ah. Non, ah, je suis au sérieux. Tu cherches problème. Problème comment? Toi, tu connais mon nom. Ah, ton nom est comment? Mon nom est comment? Oui. Après, va venir, tu me dragues, non? Oui. Mais après, va venir me dire que tu as eu problème après ce nom. Aïe, comment ça? Parce que tous ceux qui viennent derrière moi, ils ont leurs problèmes. Aïe. Ah bon. Donc, quand quelqu'un te drague net, il a problème. Ah, il faut essayer. Ah. Parce que après, c'est toi-même tu as venu me dire qu'ils ont plus fusil derrière toi. Ton oncle, là, c'est Western Good, donné chez vous ou quoi? Ça, moi, je sais pas, mais c'est que j'ai déjà prévenu. Donc, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Tiens, pardonnez là, nous, on a mangé des têtes. C'est pas les yeux qui vont nous faire peur ici. Oh. Allez. Tout compte faire là. Je vais avoir comment aujourd'hui. Tu ne comprends pas français. C'est pas possible, viens. C'est normal. Ton problème, c'est ça là. Tu es en train de te rendre fou. Effectivement, les fascicules sont mes problèmes. Les papiers. Ah, c'est ton problème qui est là, oui. Ah, ça dérange ton tête. Non, mais tu crois que s'il y a quelqu'un qui te dérange, c'est toi. Je vais te laisser. Mais mes fascicules doivent sortir. Fascicules. Non, ça doit sortir.
Même si moi j'avais Kalia, même si j'avais Ernie, je ne vais pas couper aussi pour toi. D'accord. Même Ernie, je ne vais pas couper. Je vais te laisser parce que toi tu ne peux pas comprendre quelque chose. Je te laisse. Je te laisse. Oh, laisse-moi. Je suis désolé. Oh, laisse-moi. Je suis désolé. Moi, c'est trois olés. D'accord. Trois olés. Au revoir. Tu comprends? Moi, c'est trois olés. Qu'est-ce que tu m'as lu là? Tu viens t'arrêter au face de moi. Tu fais... Toi là, tu es quitté où? Qui ça? Tu es quitté où? Tiens. Hé, hey, tiens ton convocation. Moi, je ne suis pas là pour plaisanter avec toi. C'est ta convocation, c'est que je ne vais pas prendre. Tu ne vas pas prendre pourquoi? Où il est? Où il est? Il est couché, il dort. Ah, il est couché, il dort. Oui. C'est-à-dire? Non, femme, non, femme n'est pas bonne. Femme n'est pas bonne. Il y a quoi? Toi, ami, moi, je t'ai marié à cause de toi. J'ai envoyé ma moto au garage. Oui. Maintenant, tu prends l'autre homme, tu es couché avec lui dans la maison. Et puis maintenant, tout ce que j'ai dit tous les jours là, tu ne changes pas. Maintenant, c'est ta voix convocation. Lui là, si son père va partir en prison. Viens, vraiment, reviens s'il te plaît. Ah, moi, tu reviens s'il te reviens s'il te ça veut dire quoi? Comment tu sais que lui est nul là? Je suis à haut. Comment tu n'as pas dormi? Tu nous as laissé dans la chambre, tu es venu dormir au salon. Oui, mais comment je vais dormir? Je suis là, là, je sommeille. Mais lui-même, il n'a pas dormi. Donc, je sais de le laisser se reposer. Pour le mal dans sa vie. Il ne peut pas dormir. Moi, je marie une femme, je le vois avec, je le vois avec l'homme. Ça me fait mal de savoir dormir au salon. Lui aussi, il ne te laisse pas dormir. Tu as le courage de venir me dire que lui. Mais il ne te laisse pas dormir, tu le sais. Ah, il ne te laisse pas dormir. Oui. Voilà, il ne te laisse pas dormir. Tu vas aller dormir en prison. C'est quoi qui te regarde dedans? Au lieu de parler de moi, mon affaire d'enfant, là, c'est pas un vieux Brahim, là. Il serait mieux de te chercher un mari pour célébrer le mari des autres avant de te mêler des poumons. C'est qu'un mec, papa, tout ça, là. Ma chérie, c'était pour ton bien, hein. Mais viens cadeau chez toi comme ça pour faire ton mariage, tu refuses. Ok. Parce que tu ne peux pas accepter ça. Tu te fous de ça là. Je vais dire à tout le monde. Tout le monde n'a qu'à venir. Non, attends. Oh, non, non, non. Le quartier va sortir. Viens vraiment. Tu prends. Non. Voilà. Amadou, vraiment, Dieu merci. Amadou, faut que tu m'aides. Il n'a qu'à prendre convocation là. Tu m'en veux. C'est pourquoi? Tu ne peux pas prendre. Tu maries mon femme. Tu as compris? Je marie mon frère. Hey, tu vas où? Tu vas pas m'asseoir. Passe ici. Je marie mon femme. C'est un autre homme qui adore avec elle. La maison là. Demande-lui où il est. Tu montes ta femme là. Ta maison. Tu as entendu non? Tu as compris non? Il se repose. Si, il est venu là, il n'a pas dormi. Tu as compris non? Il peut pas le réveiller. Il dit de le réveiller. Il peut pas. Faut pas me dire ça. Ah, tu connais ton mari, comment tu peux avoir un homme de... Voilà. Mais lui, il est au courant de tout. Déjà, il pense que... Il n'a pas dormi bien. Il va bien se reposer, tu me dis d'aller le réveiller. Je vais le réveiller, il n'a pas dormi. Voilà, là-bas. Pourquoi tu lui dis quoi? Tu n'as pas me dire ce que je vais promettre. C'est la vérité. Non, viens, mais quand même, je voulais aller me coucher, je ne peux pas me coucher. Mon ami, regarde, mon ami. Pardon, mon frère, il n'a qu'à sortir. Écoute-moi, mon frère. Il n'a qu'à sortir. Quelqu'un qui n'a pas dormi, il va se reposer là, le réveil. Écoute-moi, oh, l'appel là. Non, je voulais aller me coucher, je ne peux pas me coucher. Tu as vraiment dit la vraie convocation. Mais la vraie convocation pour sa femme. Je vais te dire que. Écoute-moi d'abord, monsieur. C'est ça le temps de réveiller. Ce monsieur-là, il n'est pas normal. Moi, je ne dis pas normal, il est fou. Bon, tu vois, c'est un aliéné. Tu vois. Demande, vas-y. Non. Je ne peux pas demander quelque chose, monsieur est fou. Comment tu vas prendre une convocation de ta femme? Moi, je ne cherche pas la raison. Oui, mais il n'a pas de femme. Lui, il n'a pas de femme. Il n'a jamais une femme. Je vais pas te mettre pour un moment. Pourquoi me reposer? Tu vas le réveiller. Faut me laisser. Tu vas le taper. Je sais que ton mari, vraiment souvent. Bon, moi, je m'en vais. Je peux pas. Mais faut m'en vais. Non, je peux pas. Tu peux un fou comme ça. Je peux pas me reposer. Un regard fou comme ça. Il n'a jamais une femme à cause de ça. Lui, là. Il n'a jamais une femme. Mon femme, mon garçon, toi, avec lui. Moi, je sais que tout le jour, tu fais des trucs qui n'est pas normal. Ah! Aujourd'hui, à ce moment-là. Franchement, tu as raison. Ah! Il n'a qu'à prendre convocation. Je savais appeler la police. Mais Myria, ils sont même chose avec mon fils. Comment tu peux avoir une nombre? Avec mon fils, ils sont même chose. Elle est complice. Pas ici. Myria. Il est complice aussi. Il est là. Son tante, il vient dormir avec un garçon dans la maison. Lui, il est là. Il dit rien. Les deux sont ensemble. Est-ce que tu comprends? Ça envoie une convocation. Faut les parler. Ça, ça va les commissariats tout de suite. Ils ont quoi au juste? Mais il dit à un homme de sa maison. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. Quand même. Il faut qu'il sorte. Cachez-moi ça. Non, viens l'appeler. Hé, il n'a qu'à sortir. Franchement, tu as raison. Au-delà de ce moment-là, moi, je suis. C'est ce moment qui a pleinement raison même. Comment
faut pas te dire maintenant. Hey, faut pas te dire maintenant. Bon, tu vas te demander. Viens, viens. Tu vas te demander. Tis-toi, Myriam là. Tis-toi, tu es marié. Et tu es dans ton mariage là. Il y a une autre femme qui vient, dormir, hein, avec ton mari. Est-ce que tu vas accepter ça? Je vais accepter. Pourquoi il a accepté? Une autre femme vient dormir avec ton mari, tu vas accepter. Ah bon? Mais pourquoi tu veux que... Pourquoi il a accepté? Mais pourquoi tu veux que moi j'accepte? Hein? Non, moi je t'ai pas dit d'accepter. Tu dis juste faut te calmer. Parle là, c'est pas bon. Jusqu'à toi, quand tu veux lui donner à ta femme. Oui. C'est pas bien. Comment c'est pas bien? Vous avez un joli bébé comme ça. Oh. Et vous faites pas là. Il fait pas là. Pour les Madame, ne pouvez pas. Va réveiller celui qui est là. Qui ça? L'homme là. Quel homme? Le voilà qui est dans ta main, le voilà qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui là. Tu le vois comme ça, il tête tous les jours. Ils sont les deux sont couchés ensemble. Est-ce que ça c'est bon? Oui, oui. Il n'a pas prendre. Tiens, mon nom pardon. Mais il faut nous donner comme ça. Oui. Donc c'est à cause de bébé là qui a fait tout ce tapas là. Quel est bébé? Lui là. Quelqu'un prend mon femme. Tu trouves qu'il est bébé? Quelqu'un prend ton femme? Oui. C'est pas ton enfant. Ça veut dire quoi? C'est mon enfant. Et puis la nuit, il avait qui elle, Soleiman. Pardon. Mais tête, juste lui n'est pas resté à sa maman, il a été comment? Lui, c'est les têtes. C'est pas lui, c'est les têtes. C'est le moment qu'il doit têter, c'est le moment qu'elle a. Et c'est quel moment, mal les têtes? Il faut le prendre, il va aller se faire soigner. Oh. C'est ton oncle, il est. Non, là, moi, vous ne me permets pas aussi. À sa moitié, un truc comme ça. Non, quand je vois qu'il est ici. Ah, la blanc a raison. Le blanc a raison. Tant que ton papa là, on n'est pas dedans. Mon nom, papa, vous ne pouvez jamais être bon. Tu vois? Ton nom, là, vous devez être même chose. Faut pas se passer mon nom encore. Faut quitter là-bas. Toi et puis la blanc, ils ont même chapeau là. Comportement, toi, tu fais. Les gens du quartier viennent mettre sa bouche dans ton parfait de couple là. Tu es content. Coupe, c'est quoi, même? Coupe, c'est quoi? Toi et puis ta femme, ça qui est couple. Eh, mon fils, laisse ça. Où elle est? Ami! Elle est où? Elle est là-bas où? Tu as honte. Ami! Ami! Oui. Eh bien, viens, Siri. Ça va, elle est. Pourquoi? Il y a une convocation, la faute déchirée. Il y a déchiré, tu vois, c'est il faut envoyer lui, mais il n'a pas déchiré devant nous ici. Convocation là. Ah ouais, c'est bon, il faut laisser ça. Ça, je vois. Le quartier est sorti. Oui, oui, après. Non, c'est pas grave. Tu sais que je ne peux jamais prendre autre temps pour rien. Ah, il ne faut pas prendre le quartier 10 000 francs. Et on est après, hein. Ça arrive. Oui. Pour moi là, dedans là. T'as quoi? Dedans là. Ah, quand c'est ça, là, tu dis dedans là. On est après. Ok, on est après. Hé, femme.